Yo tout le monde, c'est Tiob, épisode 8, je crois. 9, 8, 9, épisode 9. Ah, ça va vite, hein, mine de rien, ça va vite. Hein. Donc, j'ai pris. Vous allez voir ça. J'ai pris le sud du talon italien. Alors j'ai pas encore fait tomber totalement les terrasses, il manque tout juste l'arc compte là qui est survécu. Ça ne saurait tarder, hein, ça ne saurait tarder à ce qu'il meure tranquillement. J'ai toutes mes constructions qui sont en cours, on est vraiment pas trop mal hein, dans la partie. Je peux même me permettre là d'améliorer cette armée. C'est dire hein, à quel point je suis vraiment bien dans ma game. Par contre, petit, tout petit bémol. Je m'entends mal. Je m'entends vraiment mal avec le clan des colombes blanches là. Donc je vais le purger. Et je vais le provoquer dans le sens où le clan des colombes blanches, je crois qu'il n'y a que Barillon en fait où ils sont foutus. Ouais, il n'y a que cette petite ville là donc. Tant qu'à faire, autant l'égoumer, j'ai envie de dire un petit coup, et on n'en parle plus, on adopte tout ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, hein. On va adopter. Voilà, comme ça, ils se barreront pas dans un nouveau clan. Eux, je purge un bon coup là. Voilà, risque de sécession 38%, ça me convient. Moins 10 hommes, ah, on peut pas encore partir, on n'a pas de. On a pas d'armée ni de flotte de garnison. Voilà, on va attendre un peu. Et on va passer le tour. Ah oui. Là je peux faire un nouveau décret. Bah on va faire un petit taux d'imposition ici. De toute façon, ce sera province majoritairement faite pour la bouffe. Agricole quoi. Là on est où? Ah ouais, c'est eux qui essayent de se défendre. Allez hop. Notre protection, on est sur le talon italien. Voilà. On réduit en esclavage et il n'y a plus de Taras. Enfin, du moins, je ne pense pas. Ou alors un petit truc par-ci par-là que j'ai pas vu. Les Allons nous entretuer jusqu'à ce que nos ennemis puissent se nourrir de notre chair. Ou bien la paix sera-t-elle? En vrai, vas-y, rien à faire. Tellement loin. Vous êtes fort et sage, et je me demande pourquoi. Ah merde, vous oui, non. Cette guerre. Je vous en supplie, venez vous battre. Contre-offre. Ah ben voilà. Ils ont rejoint notre confédération, c'est cool. Que demander de plus? Alors distribuer au peuple, hein, ils seront contents. Voilà. Bon, bah, on a réussi à assimiler les Corses. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme... développement, je partirai bien sur ça. Ouais, 15% de tir des archers, plus 15% de morale. Allez, allez les gars, voilà. Ah, Corsica, voilà, ça c'est bien. Bon, ça me sert pas. Et ici, je vais en faire une province minière. Ouais, je vais faire full province minière. Et je vais échanger avec là actuellement. Ah, Carthago, ouais, il me rapporte, putain! Oh la vache! Ah, ah ouais, oui. Bah oui, voilà. Ouais, effectivement, et le port de Carthago, quoi, qui me rapporte un peu. J'échangerai avec Calabre, qui me rapporte actuellement pas grand chose. Bon, faut dire. C'est normal. C'est encore un peu tôt.
J'ai pas une flotte ici, oui. Voilà, qu'on va faire aller là-bas. En prévision de la sécession. Les bons géants. Ah oui, eux ils ont pris un petit up. Ouais, voilà, comme ça on a les trois points de développement qui sont plutôt pas mal. Mes espions, mes agents, ils arrivent. Ah! J'ai mon diplomate, enfin ma vieille peau là qui est arrivée. Ouais, ouais. Il s'appelle vieille peau Clémente. Ouais, les Tarquinia qui bougent leurs fesses. Ah oui, mais je leur avais pris, vous savez, là, une ville au niveau de leur côte. Peut-être pour ça, là, ils aiment pas trop, là. Pas ce qu'ils ont fait, mais. On va voir. Mais. Ah ouais! Non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah ouais, non, c'était genre les Corses, ils étaient. Ah ouais, ils s'étaient foutus, mais genre. Je sais pas. Bon. Oula! Allons attaquer ça. Avant que ça arrive sur mes côtes. Oui. Toi, t'es arrivé. Parfait. Tu vas augmenter un peu la revenu de. De cette province. Et toi. Tu allais augmenter les revenus de la Corse. Là, c'est bon. Là. Bon, pour le prix ça coûte 960. C'est bon. Pas de soucis, j'achète. Là, on était comme ça. Enfin, on voulait faire ça plutôt. C'est pas plus une question de prix que. Question que c'est là, quoi. Je vais retirer ça. Et je vais faire des rades. Enfin, chantier maritime, enfin tout ce genre de bazar. Voilà, ça va être une région. Ouais, c'est quoi? Hop, on retire les lits. Et je vais le mettre ici à la place. Hein. D'imposition. On est bien. Ok, alors on va aller là-bas. C'est pas le mien. Oh, mais c'est. Ce sont les terrasses. Ah bah, il navigue loin, hein. La vache. On va passer le tour. Ah, j'en oublie un. Ah oui, d'accord, on va le faire up, hein, c'est pas grave. Cette petite armée qui est quand même bien badass. Hein. 52 de dégâts à distance. T'as les mecs, ils déconnent zéro. Hein. Alors, je me fais attaquer. Oh. Ah ouais, ah, ça va être la débandade pour eux. Savez quoi, je vais la jouer, avec vous. Cette petite défense de ville, ça se trouve je vais faire de la merde, mais. Attends, il faut bien une petite bataille, ça. Ça permet de changer un peu quoi. Surtout que c'est une bataille défensive. Ça je préfère, je suis plus. J'ai plus de facilité sur les batailles défensives. À faire ce qu'il faut. Hop, mur nouragique. Ah ouais, en plus ils se foutent tous là quoi. Ça. Je resterais bien foutu là. Le problème étant. Vous voyez, j'ai tout ça de projectiles. Tout ça même. Et, et ça rentre pas. Ça rentre clairement pas. Bon, j'ai quand même mon général, faut pas déconner. Donc ce que je vais faire... Voilà, je mets les lanciers. Je crois en plus ce sont des... C'est l'armée de garnison, donc ça me va. Tout ça.
là en attendant, eux, on les... Ils sont prêts à débarquer. Donc, juste derrière, on met nos embusqués, hein, nos tirailleurs en gros quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire un déploiement guérilla. Regardez les mecs, c'est pas magnifique. Je peux me déployer genre là si j'ai envie. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, non, ça vaut pas le coup. Peut-être ma cavalerie, genre la mettre là-bas, genre bien, ouais, attendez. La cavalerie étrusque, là je la sens moyen. On va essayer. Ouais, mais ça peut être drôle. Attends, est-ce que je peux même... Non. Je peux même déployer ma flotte en embusqué. Merde. Ça par contre, j'étais pas prêt, on va pas se mentir, j'étais pas prêt. Guerre nuragique. Je vais les mettre là. Et je vais les archer bien juste derrière. Avec mon général. Ici, comme ça, ils couvrent autant cette petite partie de l'armée que celle-là. On a déployé ma cavalerie et il m'en reste, normalement, il me reste une. Ah, je l'ai oublié, le pauvre. Ah bah, tu sais quoi. Toi, tu vas aller là. Tout seul. Voilà. Ah, et puis, oh, c'est parti, hein. Mais ma cavalerie là, c'est surtout ça que je veux voir en fait, est-ce qu'elle se fait... Elles sont bien planquées hein. Purée, ça passe. Il n'y a pas de mur, je veux bien. Bon bah ils ont pas l'air de venir là, ça me va. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour. On avance toutes les unités là d'archers. Là-bas on voit que là ça bouge, on ramène notre cavalerie tranquille au bilou. Là, il y a la cavalerie qui va charger, mais bah c'est sans compter hein, les embusqués. Ah oui, eux je les ai oubliés. Ouais, moi ça, ils vont se prendre une salve là. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est con. Pourquoi il est passé par là, lui? Pour aller là-bas. Tap. Ok, elle enfonce. Elle enfonce, elle enfonce. La cavalerie quoi? Moyenne. Putain, c'est pas de la légère, au moins. Là ils sont débordés hein. En plus ils sont légers quoi. Hop, allez, pas besoin d'être 20 000. Attention, des unités au corps à corps ici, ils sont maintenus quoi. Oh, la débandade hein. Attention, ils vont vouloir se faire attaquer par derrière. Ils vont vouloir attaquer par derrière, je veux dire. Pourquoi j'arrive pas à le choper mais... Voilà, ça recule bien. Ici, c'est la débandade. Eux, bon. On fout un coup de frénésie parce qu'ils veulent pas partir. Puis là-bas. C'est parti, quoi, j'ai envie de dire. C'est de la poursuite, hein. C'est purement et simplement de la poursuite. Allez hop, on cesse tout feu. On cesse tout feu et on poursuit. J'aurais perdu quelques unités là. Un peu là. Bon, autant dire que j'ai presque rien perdu quoi.
Alors bien sûr on les laisse pas s'échapper, faut pas déconner non plus. Oh on a un peu beaucoup là. Oh papa. Qu'est-ce qu'ils font eux? Arrêtez de courir vous. Arrêtez de courir comme des couillons là. Ça sert à rien, vous êtes à pied. Voilà, eux ils vont pas aller dans la flotte. Ok, rien, j'en vois pas beaucoup hein. Non, j'en vois pas par là. Là ça course mais bon. Ah si, y en a là. Ah il y en a 60 même. Oh les. Ouais, ah, cavalerie qui comme d'hab hein, sert juste à courser les armées. Apparemment il n'y arrive pas tout seul. On va l'aider. Voilà, et puis bon les archers qui ont fait leur taf quoi sur. Attends, mais c'est moi où j'ai genre 60, 60, 70, ouais 600. Bon bah c'est parfait. Petite bataille rondement menée, hein, c'est très peu de survivants. Encore une fois, beaucoup de pertes dues au, au tirallié. Bon ça c'est. Ça c'est ma marque hein, de visite, j'ai envie de dire. Bon, c'est. Quelques pertes des fois permettent d'en avoir moins. Oh, on tue les captifs. Pas le temps de niaiser. Mon peuple est fier. Néapolis, oui, mais j'ai la pas de soucis. Ils sont sur la petite île, ils sont tout seuls. Ils m'y embêtent pas. Oui. Voilà, on va pas laisser partir comme ça. Au moins pas laisser venir comme ça. Tiens, c'est joli ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Fontaine de jouvence. Bizarre, je croyais pas que c'était dans le même continent. C'est grave. Pourquoi pas? Ok. Allez, on fait le tour des provinces. Ah! Alors, juste avant. Alors. On va purger un coup et je vais le provoquer de suite parce que je vois que l'autre là, il est aussi. Yes! Ça marche. Lisum, on est bien, tour prochain, on arrive là-bas. Ça me va. Ici. Petit assassinat. Voilà, on n'en parle plus de cela. Oui, c'est fait. Et là, on développe à fond. Ah, je me suis pas gouré là. Si, 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 il faut que je fasse une source minérale. C'est pas grave. Hop. Oh, on va faire un petit blocus. Voilà, donc on fait une petite sécession forcée. Ça permettra de changer les. Vous savez, les attributs là de l'autre partie. Et là, les attributs ils étaient un peu à chier. Nous ne voyons aucun intérêt. Ils étaient tous dans le rouge quoi, c'était juste. On n'est pas content si, on n'est pas content si, on n'est pas content si. Ils sont pas contents. Par contre, si on fait un truc, bon, ils vont pas être contents. Ils sont cons, ils pillent leur propre territoire là, on est d'accord. Quelle bande de coups, peine cul quoi. Bon, j'occupe, parce que bon, c'est quand même. Il s'agit quand même de mon territoire à la base. Faut pas déconner. Ok. Y a-t-il des ennemis dans mon. Dans le coin Ah ouais, y a des rebelles grecs là-bas. On va repartir en reconnaissance. Ensuite, non, il n'y a pas de soucis, tout ça, c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, Italia, on est bien, Cartago, on est bien. Corsica, on peut faire des mines à Corsica. Et là, il y a du boulot.
À développer les villes pour le bonheur. Ouais. On va peut-être éviter sur le bonheur public, sachant que ça nous rapporte même pas en plus de... Pas un truc qui rapporte de la bouffe, ce qui est le dommage. On va faire ça. C'est pas grave. Et on fait les ports de pêche partout. Des huttes de pêche, des huttes de poissonnier, la machin, un truc. Bah ils sont en train de se suicider, quoi. C'est cool. Ah. Toujours pas la portée, hein, c'est dommage, toujours pas la portée, quoi. Bon. Vous venez de signer ah oh de oui, ah oh, bah pff, volontiers, allez. Des petits romains qui sont tout fétiches là. Faites pas peur les gars. Voyez cela comme un investissement pour... Regarde, même eux ils se pissent dessus, hein. Tous tes alliés se pissent dessus alors. Ah oui, je vais pouvoir faire ça. Et je vais pouvoir bientôt recruter. En 3 tours je débloque la techno, c'est ça? Merde, attends, ça me fait débloquer quoi ça? Coursier lourd nuragique, ouais. Ah voilà, non, c'est ce Bretter Chardan qui est. La vache, ça s'est construit rapidement. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Poséidon, le temple de Poséidon à Taras. Ok, quand même. Plus 5% de portée de déplacement sur. Ah ouais, sympa. Plus... Ouh là, la vache. Ah, c'est pas mal, hein. Oui, parce que du coup, à chaque province a un peu son. On va dire. C'est merveille. Alors, voilà, on va finir par ça pour aujourd'hui. On va faire juste un petit tour des merveilles qu'il y a. Qu'on a ici. Donc, voilà. Alors, les menhirs d'antan. 4 heures de public par tour pour toute la faction. Ah ouais. Et. 1% de pénalité de public, oh la vache. Alors c'est un Nugolo, les mineurs d'antan. Ah ça doit être ça du coup. Sympa. Tombeau de géant. Moins 10% de perdu à l'usure d'un siège subi. Plus 3% de morale des unités. Toutes les armées et flottes, c'est bien pour son essai à Terre la Noa. Je vais pas y arriver, bon c'est par là-bas. Et un tombeau de géant. Trouvons un tombeau de géant, les gars. Je sais pas, c'est peut-être dans les montagnes, du coup. Ah là, c'est pas facile de trouver ça. Bon bah si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Où est-ce que vous voyez le tombeau des géants? Parce que là... À part dire que c'est un endroit dans les montagnes, je saurais pas dire. Calabre. Ah oui, le tombe de... Oui, ça on l'avait fait. Sononaxi. Bon, c'était un village carrément. C'est ce village apparemment. Moins de % des coûts de bâtiment et. Ce serait pas ça, non? C'est quoi ça? Ah, mais je suis con, pardon. Grand temple fortifié nuragique, voilà, c'est ça. D'accord. Ça m'apporte quoi? Plus 2 de résistance. Oh la vache pour les vols portuaires. Ouais, la vache, plus 2. 1% de perdu à l'usure d'un siège subi. Tout le... Putain. 100% de morale pour toutes les unités flottes, la vache. Corsica. Il y a quoi à Aetia? Ok, il y a cheminée d'Aetia, d'accord, c'est ça donc. Ah d'accord, il y avait vraiment genre un endroit où il faisait genre masse de comment ça s'appelle, de forges, des trucs comme ça quoi. Ça, hein.
Parce que pour son armure, pour toutes les unités flotte, ouais, pas mal. En Carthago, je pense que la merveille. Ah, il n'y en a pas. Bon, c'est le port de Carthage, quoi, faut pas déconner. C'est une merveille en soi-même, quoi. Italia, il n'y a rien, ou alors je l'ai pas. Codinium, il n'y a rien, ou je l'ai pas. Ici, il y a ça, mais on ne l'a pas. Là, on n'a rien encore. Et là, on n'a rien encore. Voilà. Donc, on a terminé par ce petit room dans ce petit territory tour. Voilà. Non, c'était intéressant, ouais. Donc, j'espère que ça vous a bien intéressé, cette petite fin. On se retrouve lors du prochain épisode demain, où l'on va... fortifier mes positions et on va peut-être commencer à s'attaquer à Rome ou à l'Étrusque. On va voir. Donc je vous dis à demain. C'était Thiob. Ciao.